Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 7 octobre 2022. J'en profite une dernière fois ce mois-ci. On reste en tout début de mois, enfin en début de mois, on va bientôt le quitter. Donc c'est les derniers moments pour rejoindre l'école au meilleur moment. Si vous souhaitez assister aux briefs qui sont disponibles en rediffusion, on me demande assez souvent, mais tout est disponible en rediffusion, que ce soit les cours qui ont été faits, euh, les briefs qui sont faits tous les jours quotidiennement, ils sont séquencés, donc vous savez que de telle minute à telle minute, on a parlé de tel sujet ou de tel sujet qu'on a vu ça ou ça dans le brief du jour. Il y a aussi un doc dans lequel je vous mets toutes les informations essentielles de la journée à, à, à surveiller. Euh, donc je vous fais un résumé dans une documentation qui est en corrélation du coup avec le brief. Également vous avez accès à la playlist de cours directement dès que vous rejoignez, vous l'avez euh, bah, pour toujours. Hein. Euh, où vous avez la liste de tous les cours, il y a plus de 18-19 heures de cours où vous apprenez l'analyse technique, la création d'un plan, comprendre votre profil, créer un plan en fonction de celui-ci, créer vos propres stratégies de trading, également des cours sur le fondamental, ça va plutôt être côté du marché traditionnel. Euh, et d'autres cours qui arriveront de façon au cours des, 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 bah, de l'école hein, tout simplement. Au niveau des cours aussi de l'order flow. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez arrêter l'abonnement à tout moment. Donc 40 euros par mois plus TVA de votre pays qui sera appliqué euh, et vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Alors du coup petite mise à jour Bitcoin. On fera aussi Ether parce qu'on l'a pas du tout fait euh, cette semaine si j'ai bonne mémoire. Du coup on fera Ethereum euh, et peut-être la macro mais je pense pas. Je pense pas, parce que le SNB et le Bitcoin sont très corrélés, donc euh, je pense pas il euh, y a besoin de, de, de faire une mise à jour. Alors, Bitcoin, pour revenir dessus, bon, ça commence à devenir un peu risqué parce qu'on est en train de consolider trop longtemps sous la résistance. Euh, ça ne sent pas hyper bon tant qu'on ne passe pas cette résistance. Honnêtement, je vous le dis, ça ne sent pas très bon. Il faut absolument la passer, cette résistance, parce que si on ne la passe pas, bah, vu l'élan, on avait vu, hein, vu l'élan d'Open de, de, Interest euh, qu'on a eu, il bah, y a plein de gens que ce sont les vrais DJ, que ce soit et des acheteurs et des vendeurs, mais. Si le prix rebaisse, les vendeurs ils peuvent sortir à break-even, donc sortir de leur position ou même être en gain. Et les acheteurs, malheureusement, bah, ils sont underwater. Donc ils ont la tête sous l'eau et eux, ils passent en perte. Et du coup, ça fait un paquet d'acheteurs. Quand vous lancez un long, vous faites une promesse de revente. Donc, quand il y a plein de gens qui ont fait des longs, bah, c'est des futurs vendeurs. Donc si le marché va contre eux, ils vont devoir vendre plus bas ou en panique. Et du coup, c'est ce qui fait encore plus chuter le marché. C'est ce qui entraîne justement des cascades de liquidation, des cascades d'activation de stop-loss. Et du coup, bah, bah, ça crée de la, de la pression vendeuse. Donc, ça, faut s'en méfier, il faut faire attention. Personnellement, je dirais que tant qu'on évolue au-dessus des 19 700 là, de cette mèche, ça va. Voir à la rigueur, mais vraiment, tant qu'on évolue au-dessus de ce bloc ici, là, de, de vendeurs bloqués, ça va. Euh, je vais devoir mettre une opacité plus importante pour que ça puisse se voir. Et tant qu'on évolue au-dessus de ça, ça peut être juste des pullbacks. Okay, parce que tous les vendeurs d'ici peuvent continuer d'être bloqués. Par contre, le moment où on commence à repasser là-dessous, donc je vais étendre mon rectangle ici. Mais pour moi, au moment où on commence à repasser là-dessous, donc je dirais sous les 19 700, 19 600, voire 500, allez, là, ça sent pas bon. Pourquoi Parce qu'en plus de ça, la dynamique, pour l'instant, oui, elle est haussière, ça forme des W, mais c'est un peu le même problème que ici, dans le sens où, ça, j'en parlais aussi quand on était vers les 24-25 en août, 1000 dollars, le problème, c'est que, en fait, c'est vos vendeurs qui se font c'est les vendeurs qui se font sortir. Vous voyez ici je vais vous mettre rapidement les zones de stop. Hein. Donc bon, il y en a une ici qui n'a pas encore été atteinte. Donc elle on n'y a pas touché, ok. Mais par contre, on en a une ici bah, qui a été touchée. OK. Il y en a une ici qui a été touchée. Il y en a une du coup ici qui a été touchée. Donc il y en a une, deux, trois, il y en a une aussi qui a été touchée quatre. Une aussi qui s'était créée cinq. Mais par contre, les acheteurs, à quel moment ils se font sortir Les acheteurs leur cru, il est là. Il est là. Il est là. Et il est là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 creux acheteurs accumulés. Donc oui, ici, ils ont été sortis, hein, ces acheteurs-là, ils ont été out, ils ont été out ici. Donc, de nombreuses fois, mais sur la consolidation du prix récente, les acheteurs sont quand même pas sortis depuis le 21 septembre. On accumule des acheteurs, pourtant les vendeurs, on les sort. Et ça, faut se méfier de ça, ok Il faut faire attention, parce qu'une dynamique dans laquelle tes vendeurs ils se font sortir, mais tes acheteurs ils sont accumulés, bah, au moment où ça rebaisse, tu as toutes les zones de stop des acheteurs. Donc, tous les acheteurs qui sont rentrés sur le mouvement... Il y a tout leur stop qui s'active d'un coup, leur liquidation et bam. Ça, ça arrive. Un peu comme ce qui est arrivé ici, où ça on en parlait aussi, mais c'était les risques, où tu as tous tes vendeurs qui se font sortir, des acheteurs qui se font accumuler, et quand on s'attaque aux acheteurs, c'est très agressivement baissier. Donc il faut se méfier de ça. Pour l'instant, là, ça reste un mini range qu'on a fait en horaire. Okay. Donc on va dire, il y a l'espoir pour les acheteurs de breaker la résistance et surtout le plus important, de s'installer au-dessus. C'est ça le plus important. Ça, on en parle depuis des, des, des jours, peut-être même de trois semaines. Euh, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus de la résistance, il bah, ne faut pas crier victoire pour les acheteurs. Et moi, mon rôle, c'est de faire de la prévention, bien évidemment, tant qu'il y a justement euh, un open interest aussi important. Donc là, c'est bien, ça commence à diminuer. Le CVD, il chute un petit peu plus. Donc là, on est en train de nous dire qu'il y a le doute qui commence à s'installer dans la tête des acheteurs sous la résistance, de se dire, est-ce que je ne me suis pas positionné trop tard, est-ce que je ne suis pas bien positionné, etc. Donc au sein de ce range, il y a du doute qui s'installe parce que là, l'open le, le, interest, il chute plus que le creux précédent et le CVD. Aussi ici, donc ça, ça veut dire en gros. D'ailleurs, ça, hop. On va le tracer comme ça, mais là, ça veut dire qu'il y a, vu que l'open interest chute, il y a de la clôture de position, probablement des longues sont en train de se clôturer, le CVD chute, etc. Donc euh, ça veut dire qu'il y a de la pression vendeuse. Il y a plus de sell market, donc et avec un open interest qui chute, sell market plus open interest qui chute. Pour moi, ça traduit justement euh, bah, logiquement euh, une clôture de longue. Hein. Après, je peux ajouter un autre indicateur qui peut nous aiguiller encore plus. Ça va être le delta d'open interest. Normalement, on devrait voir des barres rouges. C'est ce qu'on est en train de voir depuis ces dernières heures. Donc oui, il y a beaucoup de clôturation de position. Donc là, les longues sont en train de se fermer. Est-ce qu'il y a un doute dans la, dans la tête des bulls qui se met en place? Si oui, bah, on voit que l'open interest est bien monté, mais là il commence à bien chuter aussi. Chute de 7% environ. Donc c'est assez correct. En USD, ça doit être plus. Yes. Donc on est passé de 3,4 milliards à 3,4 milliards environ donc chute d'open interest de 400 millions sur ce mouvement donc voilà les bulls quand même sont un peu moins confiants c'est quand, quand même intéressant c'est un truc à noter ok euh, donc c'est ce qui fait qu'on pourrait rester dans le range et breakout au nord nous ce qu'on veut c'est simplement ça c'est le range on veut voir ça c'est tout si c'est bullish on veut voir ça par contre si on voit ça là c'est carnage parce que tu as tous les creux des acheteurs qui sont déjà bah là je les, ai, je les ai déjà identifiés je peux même identifier lui que j'avais pas mis donc ça rajoute un creux ici hein. Et tu te retrouves avec tous tes acheteurs ici qui sont rentrés agressivement et qui peuvent se faire défoncer à tout moment. Donc ça, faut pas l'oublier et c'est pour ça que la situation est très tendue. Soit on casse la résistance, on s'installe au dessus, ok c'est bien. Tous tes vendeurs d'ici sont bloqués, on va chercher dans la zone de rechargement de short. Idéalement, si le S&P 500 nous accompagne. Par contre, si tu te retrouves avec un Bitcoin qui échoue ici, qui arrive même pas à casser la résistance et avec tous les lands open interest ici, là derrière ça peut être carnage et très vite on peut voir ça. Donc méfiance, ça peut être très sanglant, tout comme on peut avoir le breakout. Là à l'instant T, tant qu'on reste dans le range, à tout moment la résistance, elle peut casser et ça serait bullish. Par contre, c'est mon rôle de vous tenir au courant de ce risque, qui est que trop de gens spéculent sur la montée, possiblement des acheteurs, et que si ça break out pas, derrière c'est bain de sang. Ça ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Donc absolument, ça doit breaker, on doit breaker cette résistance. Pour l'instant, on ne le fait pas. Mais pour autant, il n'y a pas vraiment de changement. Ça pue un petit peu au court terme là le fait de voir euh, CM se former, d'avoir du mal à casser la résistance, mais tant qu'on ne s'installe pas sous 19 700 ou 19 600, ben, voilà ça va encore rien. Espoir pour les bouges de voir cette résistance être breakée. Okay si ça break, bon bah pour des acheteurs ici ça peut être un trade après aussi bien évidemment si post résistance et ça je l'ai noté ici. Hein, Post-résistance, donc post-breakout, vous voyez ça. Ça, c'est pour un acheteur, c'est pour moi un signal d'exit, voire même un signal de short. Donc, il euh, faudra faire attention à ça aussi si ça arrive. J'ai fini pour Bitcoin rapidement. Ethereum, je ne le fais pas techniquement parce que techniquement, il est corrélé au Bitcoin. Là, vraiment, les deux sont très, très corrélés. Il n'y a plus de différence depuis le merge. Par contre, c'est au niveau de l'open interest. Donc là, je vous ai laissé les graphes de ce que j'ai mis au niveau des élèves. Mais pour faire simple, c'est un peu comme Bitcoin où sur la montée, il y a une bonne hausse d'open interest. Donc là, l'open interest est bien monté, les fendings ont commencé à monter un petit peu, le CVD a commencé à monter, donc du buy market un petit peu agressif. Euh, ce qui fait que là, dans ce rectangle violet, il y a beaucoup d'acheteurs. Et aussi ici, là sur le top, il y a des acheteurs qui sont venus euh, jusqu'ici en gros. Donc là, c'est donc pour ça que j'ai étiré. Tant qu'on reste dans cette box ou sous cette box, bah, les acheteurs ici sont bloqués. Et du coup, bah, si le marché chute un petit peu et qu'on passe sous cette box violette, il faut rajouter tous les acheteurs d'ici. Et là, malheureusement, ça peut vite être, être un carnage aussi derrière. Parce qu'il y en a beaucoup d'acheteurs ici qui sont rentrés, et aussi des vendeurs, bien évidemment. Et encore une fois, si on s'installe sous les prix, qui est bloqué Les acheteurs et plus les vendeurs. Donc le carnage, il sera pour les acheteurs et pas pour les vendeurs. Okay. Par contre, si là, Ethereum, est en train de faire une sorte de petit range ici, on peut dire, hein, tac, tac, un peu comme Bitcoin. S'il s'en extirpe vers le haut et qu'il casse sa résistance, la même que Bitcoin, d'ailleurs, enfin, très similaire, et je vous la dessine ici. Et je vais vous changer la couleur, hop, euh, comme ça. Enfin non, ça je vais retirer, j'aime pas. Et je vais augmenter l'opacité comme ceci. Si on s'affranchit de la résistance, bah, tous les vendeurs seront bloqués, tous les vendeurs de ce range ici qu'on a créé. Ok, ça, ça sera plutôt bullish. Par contre, là, on est sous la résistance, on la casse pas et les gens sont déjà en train de se positionner beaucoup. On peut imaginer qu'il y a des acheteurs, bien évidemment, dans le lot, comme j'ai dit. Et c'est pour ça qu'on aurait des signaux très baissiers en termes de order flow si on commence à voir le prix s'installer, je dirais, sous les 1315 pour Ethereum, ça pue. Donc, à retenir, 19700, allez voir 19500 pour Bitcoin, si on va dessous, ça sent très mauvais. Et sous Ethereum, si on commence à s'installer sous 1315 dollars, ça commence à sentir mauvais aussi pour, euh, pour Ethereum. Tant qu'on est au-dessus de ces valeurs, on peut breaker les résistances et on peut encore avoir des beaux jours et des retours dans le haut du range pour et Bitcoin et possiblement Ethereum. Et pour finir, SP 500 et dollar index. Donc là, la clôture du dollar index, ça se fait comme ça en weekly, c'est très bullish. Le fait d'avoir racheté tout ça et de bloquer autant de vendeurs, c'est assez bullish ici, si on clôture ainsi. Une potentielle pattern de retournement baissière qu'on avait qui disparaît. Donc, euh, ça, c'est un signal bearish qui est en train d'être avalé. Donc, si c'est le cas, attention. Euh, toujours dans cette dynamique parabolique, donc le dollar index qui peut continuer de performer. Malheureusement, les sentiments, c'est bien, ça commence à se dégrader, mais. Sur le DIP, les gens voient ça comme une opportunité de rachat sur euro-USD, GBP-USD. Attention, en plus, euh, la Banque centrale anglaise qui euh, autorise l'achat d'obligations, donc ce qui va refaire de la création monétaire, donc dans, déjà dans, dans, dans un contexte où euh, tu n'arrives pas à maîtriser ton inflation et l'inflation continue de monter, et en plus de ça, tu recrées de la monnaie pour sauver justement le marché obligataire. Ça pue déjà pour le GBP, enfin ça pue pour l'Angleterre en, en termes d'inflation. Ça peut créer une hyperinflation, donc je pense que leur monnaie ça peut être chaud pour eux. Ce qui fait que eux, par contre, aux US, bah, l'inflation, ils sont pas très loin de pouvoir la maîtriser et ils créent plus de, 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 de monnaie. Pour l'instant, voire même ils en retirent. Donc c'est ce qui fait que bah normal que l'USD soit plus bullish, mais les gens sont bullish sur le GBP, peut-être à tort. Et l'Euro USD, bah, c'était venu sous 50-50, voire même dessous, donc les gens commençaient à passer bériche, mais sur ce dip, les gens voient ça comme une opportunité de rachat. Donc c'est ce qui peut continuer de pousser l'Euro USD un petit peu plus bas, possiblement. Et ça, du coup, ça facilite la hausse du dollar index. Donc, il faut faire attention à tout ça. Euh, donc, moi, c'est des choses que je surveille, perso je surveille pardon, personnellement tous les jours. Et, euh, et ici, bah, la bougie, si on clôture comme ça, c'est assez bullish parce que la semaine prochaine, ça peut ouvrir comme ça et faire un nouveau sommet. Et poursuivre la dynamique parabolique. Et si on fait ça, je doute que Bitcoin et le, le, le SP500 puissent tenir. Et du coup, bah, je fais une mise à jour sur le SP. Mais pour revenir sur le SP, on avait vu justement la box ici. On devait la pullback. On est en train de la pullback. Donc, ici si ça tient et qu'on repart, c'est très bien puisque ça à dire que les vendeurs d'ici restent bloqués et la divergence haussière continue de faire son effet parce que c'est bon, elle est confirmée, je peux la mettre en très plein ici et c'est assez bullish hein. enfin c'est assez c'est assez encourageant pour les acheteurs, ça peut leur donner enfin ça leur donne du momentum, donc ça peut leur euh, pousser le prix vers le haut. C'est un élément de momentum haussier. Par contre, si on repasse là-dessous, bah les acheteurs d'ici déjà sont bloqués et après bah, les vendeurs d'ici sont débloqués donc techniquement ça peut leur permettre soit de rester dans leur short confortable, même si c'était quasiment sur un bottom. Et malheureusement, le prix peut continuer de chuter. Ou alors, ils clôturent leur short, ça fait du rachat et on peut repartir. Mais sincèrement, si on repasse sous ce rectangle, moi, donc sous la résistance qui devient support, c'est pas très, très bon signe. Et en plus de ça, là, actuellement, il y a un peu trop de pression vendeuse et les vendeurs commencent un petit peu à mettre trop de pression. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est venir bouffer ces vendeurs et faire ça. Si on fait ça, c'est très bullish et ce serait très bien. Par contre, là, vous voyez cette bougie d'impulsion. Bah, on est déjà en train de la retracer de moitié, et si les vendeurs continuent dans ce sens, bah, tous ces acheteurs vont devoir céder leur position acheteuse, ce qui fait que ça devienne des vendeurs, et du coup bah, ça peut pousser le prix plus bas. Et si on fait ça, Bitcoin y suit, et Bitcoin y rejette sa résistance, et n'oubliez pas que Bitcoin, lui, il y a trop de malins qui sont venus avec levier, euh, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, et du coup ça peut être un carnage derrière. Donc très attention c'est pas un brief ou autre, hein. ça peut être interprété de cette façon, mais c'est surtout de la vigilance. Ici, on est en train de vous dire que le Bitcoin, le SP 500 vont s'effondrer, on est sur des niveaux de test importants, dans les prochains jours, la direction sera prise. Et ça peut être sanglant dans le sens où il y a encore des gens qui pensent devenir millionnaires en capturant le bottom du Bitcoin ou en capturant un top avec des gros leviers et en se disant bah, c'est mon seul moyen de faire de l'argent, alors que c'est faux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi j'ai que 1000 euros pour investir. Comment je vais devenir un millionnaire avec 1000 euros si j'investis dans le Bitcoin C'est pour ça que je mets du levier x10, x20 pour multiplier ma mise et trade avec 20 000. Mais je vous assure que c'est pas comme ça que ça marche du tout. Vous ne deviendrez jamais millionnaire. Il y a un mec sur 100 000 qui le devient comme ça, et c'est le mec qui fait l'exception qui confirme la règle. Mais les 99 999 autres gars se font liquider et juste donnent de l'argent aux exchanges. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc je finirai là-dessus. Donc on s'arrête ici pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description, en commentaire. Et également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto, donc c'est tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, vous choisissez la, vous choisissez, pardon, choisissez la fatigue, vous choisissez pardon, la monnaie que vous voulez, et simplement vous utilisez l'adresse qui correspond en fonction du réseau que vous allez utiliser, que ce soit sur l'exchange ou sur votre Ledger par exemple, tout simplement. Une fois que vous avez fait la transaction, vous envoyez le TXID qui se génère automatiquement. Donc, pas de panique, vous avez juste à le copier. Donc, c'est écrit TXID de petits points. Vous le copiez, vous l'envoyez à tous les profs. Nous, ça nous permet de vérifier la transaction. Et une fois que ça s'est fait, on vous met votre rôle élève. Donc, généralement, c'est fait dans la matinée, l'après-midi. Enfin, ça dépend de quand on vous envoyez le message. Mais dans la journée, ça va être fait. Euh, également, vous pouvez rejoindre la newsletter. C'est totalement gratuit. Comme je vous disais depuis quelques jours, je vous sortirai la prochaine vidéo courant octobre. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est totalement gratuit. Le lien, il est pareil en commentaire ou en description. Mais simplement, c'est ici. Donc vous cliquez le contact System newsletter Le Trône, vous ouvrez, je mets mon mail, je m'inscris, c'est totalement gratuit. Et dès que la vidéo est dispo, vous la recevez. Ok Donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, pour ceux qui ne s'inscrivent pas, bon bah vous la recevrez. Euh, je pense que maintenant je les mettrai en ligne soit le samedi ou le dimanche publiquement. Donc vous les recevrez, je pense, deux semaines après la publication de, de la vidéo pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. C'est quand même plus avantageux d'être inscrit à la newsletter, sachant que c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, c'est vous qui choisissez la, la, les assets que vous voulez que j'analyse. Moi je pense ce qui revient généralement le plus. Euh, dans les commentaires. Bon, après, des fois, il y a des assets qui sont pas très intéressants techniquement, donc je les zappe. Comme ça, vous, ça vous fait du contenu aussi pédagogique et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Du coup, on s'arrête ici, les gars. Bon week-end à vous. On se retrouve donc lundi pour un prochain brief. Bon week-end. Ciao, ciao.